Hey. Seconde, t'es mon premier modèle, comme hier, je crois. Hein. Juan, aujourd'hui, c'est une belle étape, très belle étape pour tous les grimpeurs. Mais déjà, parlez-nous d'hier. On vous a vu lâcher assez tôt. Est-ce que c'était stratégique en pensant à aujourd'hui? Ouais, c'était stratégique et oui et non. Ouais, j'étais à fond, j'ai un peu explosé. Puis ouais, j'ai vite vu avec mon directeur sportif que ouais, j'allais me battre pour la 15e ou 20e place au général et c'était pas ça qu'on était venu chercher. Donc on a préféré faire le choix de se relever un peu plus et de perdre beaucoup plus de temps pour avoir un peu plus de liberté aujourd'hui et essayer d'aller dans l'échappée aujourd'hui ou demain. Donc on va essayer aujourd'hui et puis si ça marche pas aujourd'hui, on essaiera demain. Une très dure étape aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en attend justement? Ouais, c'est pas facile après le stage altitude. J'étais bien en début de semaine, ça allait de mieux en mieux. Et puis hier, ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc oui, je pense que ça roulait vite aussi, mais j'aurais dû tenir un peu plus que ça. Donc forcément, il y a eu de la déception. Et aujourd'hui, ce qu'on peut s'attendre, c'est un peu de tout avec cette météo qui est pas belle pour l'instant, mais ça peut se lever et faire chaud. Donc on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ascension finale, si vous la connaissez peut-être? Ouais, je connais. Ouais. C'est un peu la même ascension qu'hier. C'est peut-être un peu moins régulier. Il y a des passages très durs et des passages un peu moins durs. Mais c'est une ascension qui ressemble un peu à celle d'hier. Merci Warren. Bonne chance, bonne course.